Et salut à tous, j'espère que vous allez bien en cette semaine plus ou moins compliquée, il faut se le dire. Et du coup, j'espère vraiment que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la semaine 112 de la revue de mode. Et en soi, c'est extrêmement simple cette semaine. Il n'y a aucun item que vous allez avoir en donjon ou en défi. Du coup, c'est ma foi extrêmement simple. Donc on va commencer d'abord par les 80 points cette fois-ci, parce que... En fait, les 80 points, il n'y a quasiment rien à dire, contrairement aux 100 points. Donc du coup, pour les 80 points, il va vous falloir n'importe quelle teinture marron. Donc vous pouvez avoir chez une Cyrelle, à l'IMSA, l'OMINSA, il y en a beaucoup. Et vous appliquez du coup n'importe quelle teinture marron sur la tête. Et n'importe quelle teinture marron sur les jambières. Mais les jambières qu'on va voir, hein, qu'il faut acheter... à l'Iron Thunder juste à côté, donc c'est des os level 5, donc il n'y a pas vraiment trop de restrictions là-dessus. Donc voilà, faut juste faire ça, faut juste prendre n'importe quelle teinture marron que vous pouvez acheter à une Cyrelle en tête et en jambière avec les jambières chausses qu'il faut acheter à l'Iron Thunder. Donc c'est pas extrêmement compliqué. Donc là, maintenant on va parler des 100 points qui sont franchement pas plus compliqués non plus. Il y a beaucoup d'items et c'est que des items qu'on peut acheter. Du coup, le seul truc qui risque de faire chier un petit peu, plus ou moins, si vous n'avez pas monté les réputations de Ulrim Reborn, c'est la teinture brun liège. Il va vous en falloir deux. Et ces teintures brun liège s'obtiennent via la réputation des kobolds. Donc, si vous n'avez pas monté cette réputation pour avoir les pièces de monnaie kobold, tout ce qui vous reste à faire, c'est de les acheter malheureusement au panneau des ventes. Après, sinon, on reviendra après sur quelle pièce il faudra. Et sur quelle pièce il faudra les mettre. Il faudra mettre sur votre arme comme teinture la teinture bleue de minuit. Donc ça, vous pouvez l'acheter à une Cyrelle. Donc c'est pas bien compliqué à faire celle-ci. Sur le casque, il va vous falloir la teinture bras liège qu'on a parlé juste avant. Donc, il va falloir passer à la caisse si vous ne pouvez pas vous les procurer via les pièces de réputation. N'importe quel torse avec n'importe quelle teinture blanche dessus. Donc, n'importe quelle teinture blanche, vu qu'il n'y en a que 3 qui existent dans le jeu, si vous avez des points azuréens, à la limite, prenez la blanche qu'il y a à azuré. Sinon, malheureusement, ça reste pas trop compliqué, mais il va falloir faire la teinture blanc-neige. Donc la teinture blanc-neige que vous créez, elle n'est pas bien compliquée. Et il vous faudra du coup en créer deux, parce que vous en aurez aussi besoin pour les gants. Donc les gants, ça sera juste les griffes bestiales, donc que vous pouvez acheter au préposé au lot au Gold Saucer pour 30 000 PGS. Donc si vous voulez le titre, franchement c'est pas ultra cher payé, contrairement à d'habitude. Il va vous falloir aussi les chausses qu'on obtenait dans les 80 points juste avant, donc à l'Iron Thunder, à l'IMSA, le MINSA. Et vous lui appliquerez du coup aussi la deuxième teinture brun liège que vous vous êtes procurée. Et la dernière chose que vous devez vous procurer, c'est les boucles d'oreilles de pierre de soleil, donc que vous obtenez à Sorcha ou Sorka, je sais pas, à l'IMSA, le MINSA, l'entrepôt. Donc c'est pareil, ça s'achète pour 3 fois rien. Et c'est tout ce qu'il y a à faire pour les 100 points. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Et voilà, quoi, contrairement aux autres semaines, c'est vraiment extrêmement simple. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et si ça vous a aidé, bah j'en suis ravi. Du coup, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.